Dis-moi. Avant toute chose, pardon, pardon de me présenter comme ça pour un premier entretien d'embauche. Je suis désolé. Non, c'est juste que je... On sait rien, je suis une journée... pas évidente. Enfin, je suis là. Et quoi? L'entretien d'embauche. Oui, mais on a déjà eu cet entretien, Igor. Comment ça, je comprends pas. Tu es déjà engagé. Je suis déjà engagé. On a déjà eu cette conversation ensemble. C'est-à-dire? Tu fais une journée difficile, là. C'est le mot qu'on puisse dire, ouais. Vous voulez pas signer nos contrats? Très bien, mais alors allez vous faire foutre. Mais si Monsieur, vous tombez en faillite, ne comptez pas sur Monsieur. Nous pour... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que je suis au téléphone? Faites attention à votre café, il est très chaud. Mais heureusement qu'il est chaud. Qu'est-ce que tu veux que je foute d'un café froid? Hein? Comment vous savez mon prénom? Tu dois aller chercher la veste de Didier. Je connais pas Didier. S'il te plaît, tu dois aller chercher la veste de Didier. Je ne connais pas Didier, c'est quoi cette histoire de veste? Madame, comment vous connaissez mon prénom? Je suis désolée. Yann! Hein? On va pouvoir retourner dans ton époque. Retourne... Quoi? On va pouvoir retourner dans ton époque. Il est où ton badge? Badge? Tu vas me dire ce qui se passe dans cette putain de ville maintenant. Comme si vous saviez pas. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'ai refait vos analyses et j'ai de grandes raisons de penser que vous et Monsieur Andrew êtes bien plus que de simples frères et sœurs. Que voulez-vous dire par là, docteur? Sandy, vous et Monsieur Andrew êtes frères siamois. Dis-moi. Avant toute chose, pardon de me présenter comme ça pour un premier entretien d'embauche. Je suis désolé. Non, c'est juste que je... On sait rien, je suis une journée... pas évidente. Oui, vous pourrez dire à Madame Grandjean que j'ai retrouvé sa prothèse sur mon clavier. Merci.